Allez, on se retrouve au deuxième break de la journée avec nos deux team pro. Et Damien vient de me dire, parce que ça fait un moment que je suis pas allé dans la salle avec tous les bustos qu'on a eu sur les qualifiés. Pareil que vous êtes à la même table, messieurs. Ouais, c'est ça. Erwan est arrivé il y a quoi ? Il y a une vingtaine de minutes. Donc voilà, on s'est pas encore étrippé, mais ça ne saurait tarder. Troisième table de la journée pour Erwan, c'est ça ? Ouais, troisième, ouais. Au moins, ouais. Quatrième. Quatrième table de la journée, ouais. Des vagues 135, 80, 90 là, enfin 87. Ouais. 102. On a vu ton dernier coup où tu reviens dans la course en vidéo. Table pas très simple au départ. Oh non, ça va, franchement ça va, même si justement il y a quelques joueurs, bah, évidemment dont Erwan, qui sont arrivés et qui la rendent un peu moins facile à jouer quoi, mais non, il faut être patient, j'ai quand même bien swingé, mais ouais, une journée un peu bizarre pour le moment où j'ai pas eu des spots évidents et à chaque fois c'était un petit peu close les décisions que j'avais à prendre quoi, voilà. Petite question aux spécialistes des structures, on joue 7 niveaux ou 50 joueurs left, on est 89, enfin vous êtes 89, quelle est la première limite qui sera atteinte, hein ? Les 7 niveaux ou les 50 joueurs left ? J'ai pas réfléchi à ça, ça risque d'être très close je pense, on devrait reprendre au D3 sur donc 3000, 6000 avec une moyenne vers les 210 000 je pense, donc ça fait 50 joueurs quoi, ça fait 48 joueurs, donc je pense que ce sera les 50 joueurs avant. D'accord, bon, on va suivre ça, de toute façon on est parti pour... Très close. Encore, on a joué 4 niveaux si je me trompe pas, il y aura encore au minimum 2 niveaux qui seront joués, et sinon on arrêtera au 7ème niveau pour reprendre avec le D2B où on retrouvera Jérémy Damrel notamment, Flamkas, Benzema Echeverri et puis notre Taï Chris National qui est passé hier comme vous l'avez vu sur le coverage de cette nuit de Jules. A tout à l'heure, merci.